Bonjour à tous et à tous, c'est Arcro08. Aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je fais la présentation de ce véhicule qui est la Pegassi Zorozo, qui est une super sportive qui est disponible dans Legendary Motorsport. Son prix, c'est attendez. Voilà, c'est celle-ci et elle vaut 1 925 000, ce qui est assez cher quand même, faut avouer. C'est bon, tu démarres. Alors, on va aller au Los Santos Custom qui se trouve à gauche. Je crois que c'est la boîte de nuit qu'il faut tourner. Non, c'est après. Ah, je peux tourner là aussi. C'est ma boîte de nuit, ça ? Oui, je crois. Oh, je sais plus. En vrai, j'ai des trucs, je sais même pas où ça se trouve, donc... Bon, je sais pas où je vais, mais c'est pas grave. Ah oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Ah oui, ok, c'est bon, je vois où on est. Ah, il a une sacrée... Ah! Oh non, je voulais pas le rayer. Putain. De toute façon, il y a déjà un appel, je ne sais pas comment. J'ai dû me prendre un truc sans le faire gaffe. Alors... Tac, on va le mettre à 100%, logique. Frein de course. Tac, moteur niveau 4. Échappement. Oh, les 5, j'aime bien. Ok. J'adore. Explosif. Non. Pare-choc avant. Course 2. Ok, ça change ça. Ah, le premier, là, c'est mon plus... C'est mon préféré. Ouais, on voit pas le moteur, c'est dommage. Hop, klaxon, standard, clown, ça ne changera jamais. Allez, hop. Éclairage, phare, xénon, kit néon, support néon, partout, la couleur, nous verrons après, comme d'habitude. Hop, motif. Ah. Mais ils mettent toujours le même genre, en fait. Ah, la manette qui s'est déconnectée, d'accord. C'est moyen. Franchement, on va mettre celui-là. Hein. Plaque, celle-là, qu'on ne voit pas, donc j'ai gâché 600$ pour rien. Alors, couleur principale, on va mettre en métallisé. Est-ce que c'est ça, chien? Ah, ok, c'est le reflet, et ça change le devant. Oh, il y a des flancés. Oh, leur flanc rouge comme ça, c'est pas mal. Toi. Ah non. Vendre. Aileron. Non, là, c'est quand même... C'est peut-être un peu abusé. Tac, tac, roue, type de roue, ça doit être des haut de gamme ça, genre de série, ouais. Ah, celle-là j'adore, en général. Tac, tac, non, si, couleur des jantes, on va mettre en... Bah, rouge, comme ça, ça ira avec le rouge champ. J'ai encore un truc, pneu, apparence des pneus. Pneu custom, allez, épreuve des balles, fumée de pneu. Rouge. Tac, hop. Fenêtre, c'est fait. Donc, éclairage. Ah, éclairage. Kit néon, couleur néon, rouge. En fait, je devrais toujours mettre rouge par défaut parce qu'en général, ça finit en rouge un véhicule. Ou en bleu. Hein, mais il n'y a pas rouge. Ah, si. Hop là. Attends, on va mettre. Oh, des flancés. Alors. T
Fait français. Je galère à taper. Voilà. J'espère qu'ils ne sont pas quittés parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui quittaient. Non. Allez, c'est parti. Go, montez le mont Chiliad. Ouah, déjà le. Hop. On va mettre le point. Ah. D'accord, la manette qui marche absolument plus. Oh non, mais tu m'énerves. Saleté de jeu. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, la manette, si tu veux bien redémarrer, ça m'arrangerait. En attendant, on va faire au clavier. Oui, j'ai un gros problème de manette. Ma manette est en train de me lâcher. Et elle se déconnecte de temps en temps. C'est une manette à filaire. Donc, le fil est. C'est pas le fil qui est mort, c'est le branchement carrément. Donc, ouais, je peux pas. Soit je change le branchement, mais à mon avis, ce sera plus cher que racheter une manette pas chère. On va demander ça, on sait jamais. Hop. Oh là là, j'ai réussi à taper. Allez. Attends. Alors, demandez-moi Arcro 08. Bon, je m'en fous que je sois en vidéo parce que de toute façon, si vous venez sur mon Discord, vous allez voir le machin. Donc, me faites pas la remarque. Comme quoi, on voit ton tag en. Alors, nous aussi, on a une communauté sur Discord. Donc, n'hésitez pas à venir. C'est une communauté Red Dead. Red Dead GTA Online. Bon, c'est une communauté de mods. Alors, je ne dis pas que tout le monde est modeur. Ok. Il y a une mine qui se balade. Il n'y a pas des modeurs. Hein. C'est en fait. What? Qu'est-ce qu'il me fait encore la manette? Alors, j'adore. Je pouvais plus la contrôler, mais ça continue à accélérer et à tourner. J'ai pas compris. En fait, on fait des lobbies si vous voulez venir. N'hésitez pas à venir. C'est des lobbies sans risque de ban, etc. Donc, si vous êtes intéressé, venez sur le Discord. C'est sur PC. Mon serveur Discord, s'il se trouve dans la description, bien entendu. N'hésitez pas également à vous abonner, lâcher un like et commenter, ça fait toujours plaisir et ça aide un petit peu. Tout simplement parce que ma chaîne, comme je le savais, a été ban et que bah, je suis de retour à 17 abonnés au lieu de 170. Eh oui, il manque un zéro en fait. Allez, ça va aller vite normalement la montée du mont Chiliad. D'ici 5 minutes, je pense avoir fini. Ah non, 10 minutes parce que. Voilà, bon, on va finir au clavier parce que la manette est complètement buggée. De toute façon, je sais bien piloter au clavier parce que j'ai été au clavier pendant très longtemps. Oula, j'ai plein de. Bon, j'espère que vous n'entendez pas le bruit de mon clavier. Bon, normalement, c'est un clavier normal, j'ai pas de clavier mécanique, donc du coup, ça fait pas clic, clic, clic. Oui, je sais, clic, 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 c'est pas la description qu'il faudrait dire, mais bon, j'ai un peu la flemme de dire que ça fait pas les bruits de touche comme les claviers mécaniques. Alors, pour l'instant, mon ressenti sur le véhicule, il tourne bien. Après, j'avoue que pour déraper, c'est un peu plus compliqué au clavier. Mince, si je touche le pavé numérique, ça va pas aller. Oui, je suis sur ordi portable, malheureusement. Donc c'est un petit peu compliqué en fait là mes bras. Heureusement que je suis pas en cam parce que mes bras sont tendus à l'autre bout, du coup je suis penché vers l'avant. Le désavantage d'avoir un PC comment ça s'appelle? Clavier un PC portable. Et il est pas super puissant non plus, mais bon, ça suffit pour faire tourner GTA pour l'instant. Je galère un petit peu, mais bon. Je suis un petit peu en mode économie parce que si je lance Discord. Oh merci PNJ, je t'avais pas vu, mais bon. Si je lance Discord, bah, j'avoue que je douille un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai plusieurs. Même là c'est pas super fluide alors que je suis sur PC quoi. Ah mais en fait c'est trop bien piloté au clavier. Hop, désolé. Ah! Génial! Bien joué Erko. Tac. Ah, mince, c'est vrai que j'ai inversé les touches en fait exprès lorsque j'ai configuré mes touches. Ok, je pense que je peux remettre un petit coup. Mais pas un coup sur trop près parce que tu vas voler avec. Oh non, 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 non!
Hop, F. F. Merci. J'étais en mode, mais pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux te taper? Eh ben non, j'ai pas le temps, désolé. On va voir, je pense qu'il va monter au calme. Au calme, le mont Chiliad. Voilà. Ah non, l'attaque de gang, je t'en supplie, ne te lance pas. De toute façon, je trace. Oh purée. Wow. Mais c'est quoi ces lags? Bon, je m'en fous de l'attaque de gang, on va tracer. J'avoue que là, j'ai pas trop envie de faire une attaque de gang. What? Qu'est-ce qu'il a là? Ah, mais il y en a partout! Allez, meurs. En plus, ça me fait 2-3 RP. Allez, monte! Oh, hiss! Purée, je galère. Wow, mais il dérape le véhicule! Oui, c'est vrai que le désavantage d'être au clavier souris, c'est qu'on peut pas gérer trop la puissance. Mais bon, là, ça va, c'est un véhicule qui va monter au calme, donc c'est pas grave s'il dérape, mais si c'est un véhicule genre. Comment ça s'appelle? Le tout pourri là que j'avais testé la semaine dernière. Voilà quoi, ça va durer assez longtemps. À la semaine dernière, d'ailleurs, j'étais en cours actuellement. Voilà, je me rappelle des petits trucs qui sont bien relous. Hop, ça passe. Attends, là je fais gaffe parce que c'est vrai que. Non, c'est bon en fait. En fait, clavier souris, c'est nickel pour monter le mont Chiliad. Oula! Il dérape un peu quand même le véhicule, hein. Bon, après, comme je dis, c'est parce que au clavier, c'est un peu plus violent qu'à la manette. C'est le désavantage du clavier. Mais bon, c'était quand même très bien fait par Rockstar parce qu'au clavier, c'est l'un des jeux qui se joue le mieux. Et les gens qui disent que c'est facile, etc., c'est pas que c'est facile, c'est que c'est bien fait. Contrairement à d'autres jeux, genre, je sais pas, il y a quoi qui se joue complètement. Genre Forza Horizon 4, est-ce qu'il paraît qu'au clavier c'est catastrophique? Mais il est magnifique comme jeu, ça on peut pas le retirer. Attends, je vais faire gaffe de pas tomber ici parce qu'il y a toujours une petite bosse qui me fait un bond. Voilà, ici celle-là. Voilà, ça me l'a fait un petit peu. Pff, tu vois le ride? Ah, mais ça va aller vite en fait. Pour une fois, ça va être une vidéo très courte. Coucou! Attends, je finis ma vidéo Genesis. Pardon pour les majuscules, j'ai dû cliquer sans faire exprès. Oh, is. Et. Non, non, tu tombes pas. Quelle violence. Ah, arrête, arrête, arrête. Non, 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 non. Oui, c'est bon. J'ai eu peur, enfin en vrai ça aurait été un autre véhicule, genre pas une super sportive ou pas une sportive, genre une sportive classique ou une grosse cylindrée, je serais en bas du mont Chiliad à l'heure actuelle. Voilà. Bon voilà, j'ai enfin réussi à monter, par contre il fait nuit, je déteste quand il fait nuit pour mes minias, mais c'est pas grave, je peux rien faire malheureusement. Allez, monte! Ah purée, j'aime pas cet endroit. C'est l'endroit le plus dur en fait ici. Allez, ça passe, je m'en fous, ça passe. Ça passe, je te dis que ça passe. Oui, ça passe. Hein, quoi? Qu'est-ce qui m'a bloqué? Il y a un truc qui m'a bloqué. Tac, tac. Ce pistolet, Rockstar, c'est des génies de l'avoir ajouté. Il me sert trop pour mes vidéos, quand je me bloque les véhicules, par exemple. Plutôt que détruire le véhicule, le recommander, etc., ben, j'ai plus qu'à. Qu'à mettre un petit coup de taser. Enfin, c'est pas un taser, mais moi j'appelle ça un taser. Hop, alors du coup, le véhicule est pas mal, il dérape un petit peu, mais bon, c'est pas grave, c'est un petit peu comme je dis. On va juste enlever la map pour ma minia. Alors paramètres, non pas manette, c'est affichage 100. Voilà, désolé, j'aurais dû le faire un petit peu avant, enfin. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, et puis c'est tout, allez salut!